Hey yo, what's up les gens, comment allez-vous? En cette fin d'année 2012, moi ça va super. Donc aujourd'hui les gars, je vous présente un gameplay sur Black Ops 2, donc avec la MSMC, donc une mitraillette que j'apprécie particulièrement. Donc on est actuellement le 31 quand je vous commande cette vidéo. Donc j'espère en tout cas que pour ce qui est de Noël, ça s'est plutôt bien passé pour vous. En tout cas moi ça s'est très bien passé. Ce soir on va fêter l'année 2013. Donc tout va super bien, donc on a survécu à la fin du monde, donc je pense que ça va aller nickel. Donc aujourd'hui j'aimerais aborder deux sujets avec vous. Donc qui est tout d'abord la connexion sur ce Black Ops 2. Alors je sais qu'apparemment ils ont fait des patchs et beaucoup de choses. Alors juste petite parenthèse, j'ai complètement oublié, on est en domination sur la map Carrier, voilà. Donc je sais qu'ils ont fait des patchs et tout ça, mais moi j'ai toujours des gros problèmes de connexion, j'ai beaucoup de migrations d'hôtes. J'ai beaucoup de lag. Enfin, c'est impressionnant. Même sur MW3, je n'avais pas autant de problèmes. Alors, je sais que beaucoup se plaignent vis-à-vis de cette connexion. Donc, j'espère que ça va s'arranger, que les connexions s'arrangeront. Bon, après, je sais que je suis pas le bon dieu, je peux pas tout faire. Alors là, vous allez voir, hop, j'ai eu pas mal de chance au sniper. Donc, je suis pas du tout sniper. J'espère que ça va s'arranger parce que moi honnêtement j'en peux plus hein, parce que le nombre de parties que je rage quitte parce qu'il y a des migrations d'hôtes ou tout simplement parce que la partie s'arrête parce que l'hôte a rage quitte ou n'importe quoi. Voilà, c'est vrai que c'est quand même assez pénible quoi, hein, on va pas se le cacher, ça pourrit pas mal de parties. Même une fois, moi comme je vous disais, qui suis pas du tout sniper, j'avais fait un très bon début. Je crois que j'ai fait genre une quad feed ou une 5 feed au sniper, une chose qui m'était jamais arrivée. Je suis parti pour scoper le dernier et migration d'hôte, la partie était finie. Alors que j'étais à 11-0 ou un truc comme ça, j'avais vraiment fait un super début de partie. Donc j'étais quand même vraiment content. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour le premier sujet. Alors je sais que ça a été rapide parce que bon, je vais pas passer par tous les détails niveau connexion parce que beaucoup de grands youtubeurs, des plus grands youtubeurs plus renommés que moi, ont déjà fait beaucoup de sujets là-dessus, sont pleins. Donc voilà, je pense que vous les connaissez tous. Donc bon, c'est vrai que la connexion sur ce BO2 est un gros souci. Après bon, pour ce qui est du reste du jeu, c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que pour moi c'est mon Call of préféré, mis à part ce problème de connexion. Vraiment, j'apprécie énormément ce jeu. Voilà. Donc juste pour ce qui est de mes score streaks, je sais que je fais un peu dans le désordre, mais pour ce qui est de mes score streaks, donc j'ai pris des score streaks assez bas. Donc j'ai le drone pour pouvoir voir les ennemis. Du côté où c'est qu'ils arrivent. J'ai le colis stratégique, donc parce que je peux avoir tout et n'importe quoi dedans. Donc je m'explique. Tout à l'heure, je faisais une partie sur Hijack, oui Jacket, je sais pas comment vous le prononcez. Et donc j'ai eu l'unité canine et j'en ai rebalancé un. J'ai eu les groupes de chasse, enfin le dernier plus gros score streak. Donc c'est vrai que c'est vraiment super sympa. Donc voilà. Et le foudroiement parce que je trouve vraiment ce score streak super génial quoi, c'est vraiment un score streak que j'adore. Vous placez trois zones et puis suivant où vous le placez, parce qu'après faut savoir le placer, ça peut faire vraiment un très gros massacre. Sur la map Slums, j'ai fait un full team avec le foudroiement, donc je suis vraiment ravi. Après, pour ce qui est du jeu, du game et de l'arme, donc la MSMC, je joue énormément avec, je ne connaissais pas. J'ai vu pas mal de vidéos de certains youtubeurs avec. Puis pas mal dans les parties publiques, dans les parties classées comme ça, où je vois pas mal d'MSMC, de PDW, donc la PDW je connaissais, et honnêtement j'ai accroché avec cette arme là, mais franchement la MSMC, waouh, c'est un super coup de cœur, honnêtement je connaissais pas, donc franchement très bonne arme, je vous la conseille. Alors là j'avais le silencieux, si je me rappelle bien, j'avais le silencieux. La poignée ergo et la poignée avant, je crois. Voilà. Parce qu'en fait, je trouve, apparemment, depuis un patch, parce que je vais beaucoup sur les forums de Black Ops 2 et tout ça, et apparemment, les armes qui avaient pas beaucoup de recul ou quoi que ce soit, ben, ils ont augmenté le recul, par exemple. Enfin, voilà, il s'est passé beaucoup de choses par rapport aux armes. Donc, le truc, c'est que j'ai trouvé que d'un coup, elle avait beaucoup plus de recul. Quand je me mettais à tirer, c'était impressionnant. Elle arrêtait pas de bouger, enfin, c'était vraiment impressionnant. Et donc en fin de compte, j'ai mis la poignée ergo et la poignée avant pour beaucoup plus de stabilité. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la poignée ergonomique, vous pouvez viser un petit peu plus vite.
Donc franchement, j'ai trouvé ça très très bien. Donc on finit donc la première manche, donc on gagne 104 à 66. Je suis à 19-3, donc un début de partie pas trop mal. Alors, ça sera pour ceux qui vont venir sur ma chaîne pour cette vidéo-là. Je ne ferai jamais de très très gros gameplay. Voilà, c'est pas des gameplays de malade où je fais plus de 100 kills, tout ça. Honnêtement, je vais être honnête, je n'y arrive pas. Donc bon, je fais en tout cas de mon mieux pour proposer des gameplays pas mal. Et moi, voilà, j'essaye vraiment de faire de mon mieux vis-à-vis de ça. Donc là, Epic Fail, là, le mec, il a eu le temps de me scoper tranquillement, j'étais coincé derrière. Donc voilà. Donc après, pour ce qui va arriver par la suite au niveau de ma chaîne, c'est des vidéos sur Call of. Voilà, donc j'espère en tout cas que la qualité vous plaît parce que je me suis acheté un AverMedia. Donc j'espère que la qualité vous plaît et quand même regardable. En tout cas, j'espère. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est du deuxième sujet. Donc je voulais parler de la nouvelle interface de YouTube. Donc je sais que pareil que beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde en a parlé. Mais franchement, je la trouve, excusez-moi l'expression, mais extrêmement merdique. Franchement, moi je me suis perdu. La première fois, pour être honnête, je me suis perdu. C'est assez hallucinant. Et donc si vous êtes dans mon cas, mettez un commentaire. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est franchement pénible, quoi. Faut cliquer partout pour regarder une vidéo. Après, vous voyez les vidéos de n'importe qui. Tel que telle personne a aimé, telle personne a aimé. Alors, vous voulez juste voir vos abonnements ou vos machins. Après, pour ce qui est de mon cas, quand par exemple je reçois des messages et que je vais dans ma boîte de réception, ben, faut que je clique en haut à droite au niveau de mon image, tout ça. Et encore, le message quand vous cliquez sur boîte de réception ne s'affiche pas. C'est quand j'arrive sur l'interface où il y a boîte de réception, message écrit, commentaire, où ça s'affiche. Alors que ça se trouve, vous pouvez, dans ce cas-là, je peux avoir 10 000 commentaires, je vois pas les 10 000. Donc c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Enfin bon, c'est vrai que... Alors là, vous voyez, il m'a même pas vu. Ça me permet de prendre le point, de marquer pas mal de points d'un coup. Et de débloquer à nouveau tous mes score streaks. Donc voilà, donc vraiment la nouvelle interface de YouTube, moi je peux pas. C'est vraiment quelque chose où j'ai énormément de mal. C'est impressionnant, moi j'y arrive pas. Et même pour être honnête, j'ai essayé de suivre les tutos de beaucoup de gens. Parce que... Apparemment, j'ai pas essayé, mais avec une certaine manipulation, on peut revenir à l'ancienne interface de YouTube. Alors ça, je trouve ça excellent. Alors là, vous voyez, je suis en train de chercher un colis. Voilà, vous voyez, il a été posé, le colis. Hop, il est pas là, il est nulle part. What the fuck? Je comprends pas, je sais pas, peut-être un colis bizarre, je sais pas. Voilà, je le cherche, il n'y a aucune icône qui s'affiche. Donc bon, peut-être sur l'hélico, enfin, je sais pas. Donc en tout cas, ouais, pour parler donc de la nouvelle interface, franchement, j'aime pas du tout, j'espère qu'ils vont la modifier ou je sais pas, faire quelque chose. Parce que là, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à y aller. Franchement, voilà. Après, donc pour ce qui est... En tout cas, c'était les deux sujets, voilà, que je voulais aborder avec vous. Donc, si vous êtes d'accord avec moi ou contre moi, je sais pas, les avis peuvent varier. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Ou du moins, j'essaye, vu que pour le moment, je suis vraiment un tout petit youtubeur avec 12 abonnés. Franchement, je réponds à tout le monde. Il n'y a aucun souci. Donc je voulais aussi remercier tous les gens qui regardent mes vidéos. Alors je sais que je suis qu'à 12 abonnés, mais je suis bientôt à 900 vues. Et honnêtement, pour moi, je suis bientôt à 1000 vues. Et honnêtement, je suis vraiment ravi. Franchement, 1000 vues, je pensais... bientôt 1000 vues, je pensais même pas y accéder. Voilà, je suis sur YouTube depuis 4 mois. Enfin, si vous allez sur ma chaîne, vous verrez que je suis inscrit depuis plus longtemps. Mais moi, je parle depuis le temps que je poste des vidéos. Voilà, je poste des vidéos depuis à peu près 4 mois. Et honnêtement, je suis vraiment ravi des 900 vues que j'ai pu avoir. Donc là, vous allez voir, mon colis est tombé, je vais pour le récupérer. Et au début, hop, j'ai pas compris. Et en fait, bon, après, j'ai compris que c'est le monsieur là qui me l'a pris. Alors là, on fait un petit tour. Là, j'ai plus de balles. Et hop. Donc voilà. Donc, laissez-moi des pouces verts, des commentaires si la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt, les gars. Bonne fin de vidéo parce que ça va se finir. Portez-vous bien pour de prochaines vidéos. Peace tout le monde!